L'étape de planification de traitement est l'étape primordiale dans la préparation du traitement, puisqu'elle va nous servir à déterminer le chemin que le robot devra emprunter pour réaliser le traitement du patient. Le médecin va dessiner les volumes cibles, c'est-à-dire les volumes qui doivent recevoir la dose pour réaliser le traitement, ainsi que les organes dits organes à risque, qui sont les organes qui seront sensibles, que l'on cherchera à protéger pendant la phase d'optimisation du plan de traitement. L'étape de planification pour le CyberKnife va déterminer les dizaines ou centaines de positions de faisceaux du robot autour du patient et déterminer également le temps d'irradiation de chacun de ces faisceaux autour du patient. On voit très bien, chaque trait bleu correspond à un des faisceaux du traitement, le traitement étant la somme de tous ces faisceaux élémentaires. On a ici les lignes isodoses, c'est-à-dire les lignes de doses de même valeur. L'intérêt du CyberKnife étant de concentrer énormément les fortes doses autour de la zone à traiter, c'est ce qu'on voit ici, les lignes d'isoniveau concentriques, tout en préservant au maximum l'ensemble des tissus environnants. Ainsi, on arrive à délivrer une forte dose aux tissus cibles, tout en préservant les tissus sains aux alentours.